Et on arrive enfin à cette quatrième et dernière partie de cette séance d'hypnose commentée. Donc si vous n'avez pas encore vu les premières parties, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche afin de regarder cette séance dans l'ordre. Pour la fin de cette séance d'hypnose, donc je ne vais pas commenter comme je l'ai fait pour les trois premières parties, parce que sinon ça serait vraiment trop long, et en même temps il y a plein de choses qui vont être redondantes. Alors je vous invite plutôt à poser vos questions si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, et je vous répondrai en commentaire. Voilà, en tout cas j'espère que cette dernière partie vous plaira. Allez, c'est parti. D'accord. Tu vas fixer un point au creux de ma main, d'accord? C'est bon? T'en as trouvé un? C'est bon. Ok, tu le fixes, tu le lâches plus des yeux. Juste ce qui va se passer, c'est que tu vas être comme attiré, comme si tu avais l'impression de plonger très profondément à l'intérieur de cette main. Et juste quand la main touche, c'est juste fermer les yeux et partir 3 fois plus profondément. Dormir, sommeil profond, complètement détendu. Complètement détendu. Ce qui va se passer, je veux que tu imagines, Manon, devant toi, un grand écran blanc sur lequel tu écris avec un stylo feutre le chiffre 7. À côté de toi, il y a un chiffon, un joli chiffon. Il est rose, c'est assez bizarre. Il y a marqué ton prénom dessus d'ailleurs, pour pas que tu l'oublies. Puis tu vas prendre ce chiffon rose avec marqué Manon dessus et tu vas te mettre à effacer le chiffre. Effacer, complètement effacé. Maintenant, il est complètement effacé. C'est impossible de t'en souvenir. Tu as toujours appris à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ou à l'inverse, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il n'y a rien entre 6 et 8 comme il n'y a rien entre 4 et 5. Il n'y a rien non plus entre 9 et 10. Tu as toujours appris à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ou à l'inverse, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il a complètement disparu. Tu ne sais même plus de quoi je parlais. C'est impossible maintenant de t'en souvenir. Au compte de 3, tu peux te réveiller. 1, 2, 3. Ça va? Oui. Ouais, ok. On peut faire un petit jeu. Tu vas compter sur mes doigts, s'il te plaît, en appuyant comme ça, et tu le dis assez fort, s'il te plaît. Alors, 1, plus fort. 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y. 8, 8, 9, 10. C'est pas logique, il manque un truc. Vas-y, compte sur cela. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 x 2, ça fait combien? 10. Ouais, ok, vas-y, refais. Allez, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Non, mais il en manque un. Bah non, il y en a un de plus là, c'est bizarre. Je t'assure, j'ai pas 11 doigts. Il y a combien de jours dans la semaine? 6. Ouais. Blanche-Neige, elle a combien de nains? 6 pas. D'accord. Par exemple, 3 plus 4, ça fait combien? 8 moins, c'est facile. En dessous de 8, il y a quoi? 6. Voilà. Et au-dessus de 6, il y a 8. Ok, donc 6 plus 1. 8. Ouais, ok, c'est bizarre, hein, ça revient. Vas-y, recompte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va mieux, hein? Mais il manque un doigt là. Non, j'avais 10 doigts. Pourquoi j'y arrivais pas alors? Je sais pas, c'est bizarre. Regarde, ce qui est étonnant, je vais te laisser avec ça avant de partir, c'est que à partir du moment où je claquerai des doigts, ce bras ne s'arrêtera jamais de monter. Et en fait, ça fera ça tout le temps, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours un bras en l'air. Ce serait bizarre, hein? Putain. C'est assez étonnant, c'est tac, celui-là aussi. Allez, j'ai l'air d'un con là. C'est quoi ton prénom déjà? Manon. Ouais. Oublié complètement, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle comment? Ouais, et toi, tu t'appelles? Et les bras montent 2 fois plus. Tu t'en rappelles maintenant? Manon. Ouais. C'est bizarre de pas se souvenir de son prénom quand même. Non, mais c'est stupide là. Ouais. Je peux arrêter avec mes bras? Je sais pas, tu peux, tu penses? Ouais. Alors. Donc là, tu as la main collée? Ouais, là du coup c'est chiant là. Ça se décolle maintenant. C'est bizarre, hein? Et en fait, regarde, si tu te relèves, on peut faire ça avec n'importe quoi. Merci d'ailleurs. Par exemple, tu vois ton pied droit? Collé. Tu vois ton pied gauche? Collé. Ok. Vas-y, essaie de te déplacer. Ça, c'est comme s'il y avait des racines qui sortaient de tes pieds et qui s'enterraient complètement. De plus en plus, c'est de mieux en mieux. Tu tombes pas, hein, tu fais attention. Tu vois la GoPro? Si t'arrives à la toucher, je te la donne. Tout le monde est témoin. Putain. Tu la frôles, je te la donne. Tout le monde est témoin, je bouge pas. C'est vrai. Je peux pas. Ah, magnifique. Vas-y, vas-y, cours, cours. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Non mais allez. Ça se décolle maintenant. Raté. Ça fait quelle impression? J'en profite, hein, je demande, hein, comme ça c'est pour la vidéo. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est marrant, mais ouais. C'est marrant, c'est bizarre. T'imagines que tout ici, là, c'est ton état de réveil, ton état normal, d'accord? Là, c'est l'état de détente. Là, ça va être l'état de les yeux fermés déjà et partir très profondément. Okay. Et on va essayer d'aller voir tout en bas ce qui peut se passer. Regarde, juste complètement détendu, très profondément, dans un état très agréable. Super. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais compter de 3 à 0. Et à 0, tu seras parfaitement en état d'hypnose et réceptive à l'entièreté de mes suggestions, à toutes mes suggestions. Avec le 1, c'est le corps qui se détend complètement. Avec le 2, c'est la respiration qui est plus profonde. Avec le 3, tu es maintenant parfaitement en état d'hypnose, parfaitement décontracté, dans un état très agréable, très bien. Ce qui va se passer, c'est que je vais juste m'amuser avec le bouton du rire qui va marcher 10 fois plus. Tu vas voir que c'est assez étonnant comme ça va marcher 10 fois plus quand je vais appuyer. Puis si je rappuie, en fait, c'est 20 fois plus. Dans cet état, c'est comme si tout était multiplié par 10. Et à l'inverse, par contre, si j'appuie ici, c'est totalement l'opposé. C'est un sentiment de tristesse, comme si on était de plus en plus mal, qu'on avait envie vraiment d'en pleurer et que ça valait pas le coup, que c'était vraiment triste, de plus en plus triste, et qu'à chaque fois que j'appuyais, c'était 10 fois plus triste, 10 fois plus triste, et que tu avais 10 fois plus envie d'en pleurer, de plus en plus. Et à chaque fois que j'appuie, ça te fait mal au cœur, tellement c'est injuste et que ça te fait de la peine. 10 fois plus maintenant, 10 fois plus. Maintenant, tu as envie d'en pleurer, complètement, tu as envie d'en pleurer de plus en plus. Tu pleures maintenant, complètement, tu pleures. Mais le rire, c'est quand même beaucoup mieux. On revient au rire, quand même beaucoup plus agréable, super, beaucoup plus agréable. Très bien, complètement agréable. De plus en plus et de mieux en mieux. Très bien, la tête se relève en gardant les yeux fermés complètement. Plus droite, très bien, super. On reste dans cet état agréable. Et on repart d'un coup, vers cette tristesse, vers toute cette tristesse qui te donnait envie de pleurer tout à l'heure, de plus en plus envie de pleurer. C'est vraiment très triste tout ce qui t'arrive et qu'à chaque fois que je rappuie, ça te fait pleurer 2 fois plus, 3 fois plus maintenant. Quand je rappuierai, tu pleureras vraiment. C'est horrible comme cette tristesse peut envahir d'un coup, envahir tout le corps, le cœur, et que les larmes pouvaient presque couler. Donc c'était de plus en plus difficile. Mais t'as envie d'arrêter, alors le mieux c'est quand même le rire. C'est quand même le rire, c'est plus sympa. On peut faire un petit truc qui est assez drôle avec les émotions. C'est que si je prends cette main et que tu restes dans cet état, tu peux imaginer, c'est quoi ton goût préféré, ton parfum préféré? Fraise. Regarde, quand je vais appuyer sur ce doigt, tu vas sentir la fraise. À chaque fois que j'appuie, c'est comme s'il y avait le goût de fraise de plus en plus dans la bouche. Tu sens? De plus en plus ce goût sucré qui arrive. C'était 2 fois plus sucré. Compte de 3, tu pourras rouvrir les yeux et à chaque fois que j'appuierai ici, tu auras le goût de fraise. 1, 2, 3. Ça va? Regarde. Oui. C'est bon. C'est vrai? Ça a le goût de fraise? C'est sucré? Ouais. C'est quoi le goût que tu détestes le plus? Le réglisse. Regarde, réglisse. C'est dégueulasse. 2 fois plus maintenant. 2 fois plus le réglisse. On revient sur la fraise, hein, c'est mieux. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que ça marche toujours vachement ça. Par contre, tu sais que si j'appuie là, ça donne vraiment envie d'en pleurer. C'est pas très agréable. Non, tu préfères le rire? Ouais, c'est mieux. Hein. C'est plus sympa. je te bloque ici, sur le rail. C'est con de pas pouvoir s'arrêter de rire. Des fois c'est même ridicule, hein. T'as envie de revenir au sérieux, mais plus t'essayes et plus ça fait rire. Désolé, hein, t'es bloqué. Hein. Ah, regarde, à l'inverse, si j'appuie là, regarde ce que ça fait. 2 fois plus, 10 fois plus, 20 fois plus. Des fois, ça fait serrer les dents, ça fait pleurer. Complètement. De plus en plus. Puis on revient en rire. C'est mieux, hein. Et allez, tout va s'arrêter. Ça va? Ouais. Tiens, je te donne ça. Ah, merci. T'es bien réceptive. Au passage. Super sujet. J'ai essayé d'autres trucs? Il y a un truc qui est assez marrant. Ça, on va imaginer que c'est là maintenant, où t'es plutôt contente, ça va. D'accord? Là, on va imaginer que c'est du bonheur déjà. Juste quand ça va descendre, c'est comme s'il y avait une sensation, un bien-être qui allait arriver. Comme vraiment un bonheur très agréable. Juste au moment où ça va arriver sur ce... Tac! C'est sympa déjà. Ouais. Il y aurait de quoi de plus sympa que le bonheur encore? 2 fois plus de bonheur? Comme si c'était une intraveineuse, comme si tu pouvais sentir une espèce de fumée qu'emplissait tes poumons avec des doses de bonheur. Que des choses agréables. Très bien. Maintenant, c'est assez étonnant, tu vas juste fermer les yeux. Fermer les yeux et rester sur cette idée de bonheur et de choses agréables. Et c'est ainsi que se termine cette séance commentée d'hypnose. J'espère que ça vous a plu. On va rester sur cette image de bonheur pour finir. Je vous conseille de rester juste après les petites pubs de fin, là, quand je vous dis de vous abonner et compagnie, parce que je vais vous présenter mon nouveau partenaire. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir sa page. Tous les liens sont à la fin, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu et puis à vous abonner si ça vous plaît. Allez, salut!